T'avais tort tout à l'heure. Ah oui? Je reconnaîtrais la voix de maman entre mille. C'était elle. Elle nous a quittés, Atreus. Inutile d'en parler. D'accord. Bien, on va faire attention. Il y a pas mal de monstres là, derrière les barrières de leur prison. En tout cas, salut à tous, c'est Blue, et bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War. Sur PlayStation 4. Et la dernière pierre runique, en fait, était bel et bien là où on l'avait vu au tout début du puzzle des plateformes d'ascenseur. J'ai juste pas fait attention. On va laisser là. On va laisser plutôt ça là où c'est pour le moment. Et hop. On va se diriger tout droit ici. C'est quoi ça? Un miroir? Un passage? Non, pas de passage. Oh mon dieu. Hop là. Rage spartiate. C'est tellement stylé. Boum. Oh les mecs. Vous rigolez ou quoi? Même pas peur là. Hop. Ce qui est génial, c'est que là en plus la rage spartiate est en illimité. Par contre ils sont chiants. Ils peuvent voler et tout. Hop là. Y'a moyen que je saute? Y'a pas moyen que je saute? Par là. Tiens bon, Atreus, bats-toi! Allez, allez! Allez, allez! Tiens le coup, gamin! Toi le général des fées. C'est quoi cela? Hop là. Il m'attaque par derrière encore une fois les autres. Lui il bouge pas, c'est trop bizarre. Pas question que tu m'attaques par derrière toi. Boum. Dans ta gueule. Tu mérites. Ah tu mérites clairement. Une exécution mais au final j'y serais pas arrivé. Merci. Je pense que je vais prendre le skill, vous savez, de repousse bouclier. En gros, ça permet de briser la garde des ennemis parce que lui là, il se protégeait tellement bien que j'ai pas réussi à briser sa garde. Alors, elle est où la plante qui fait chier là et qui m'empêche de prendre ce coffre? Aucune idée. Elle est bien cachée, ok, dommage. Bon, par ici. Ah ça marche pas, il a pas encore la lumière d'Alfheim ici. Prends un peu de lumière, vas-y. Y'a pas moyen? Non. Bon, je pense qu'il faut j'allais dire qu'il faut déplacer la manivelle dans la salle d'avant. Mais au final, c'est peut-être par ici qu'il faut passer. On va voir. Dis, nouvelle salle. La sorcière va bien. Je m'en voudrais de savoir qu'elle est morte en essayant de nous aider. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui. C'est énorme. C'est vraiment comme le marteau de Thor, en fait. Bien, voyons voir. Apparemment, elle est là, la saleté qui bloquait tout. Est-ce qu'on peut descendre? Oui. Encore
faire cette chose. Hop là. Si on en coupe suffisamment, le pont en dessous de nous devrait réapparaître. D'accord. Ça ne va pas être si simple. Oui. Il y a un truc dont j'ai jamais été fan dans les jeux en général. C'est toutes les sessions justement de puzzle, plus ou moins. C'est... comment dire ? Dès que ça devient trop complexe, c'est prise de tête. En général, c'est bien fait, hein, mais... ça va être mon côté un petit peu feignant à chercher... chercher les solutions. C'est bon, t'inquiète. Hop là. Hop là. Nickel. Au-dessus de moi. Il est où le dernier? Wow. Ah oui, il se cache là-bas, punaise. Pour le voir celui-là. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Nickel. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Trouve ton point faible! Je pense qu'il faut l'attaquer quand lui nous attaque. Oh, c'est quoi ce truc? Merci. Putain, la régène de santé, elle m'a trop servi là. Ah, c'est ça. On peut s'en servir contre lui. Comment on fait? Allez, ouvre. Ah, pas besoin d'ouvrir, d'accord. Oh, joli. Yes. Énorme. Donc c'est bien ça, hein. Quand je vois... Ok. Quand on voit, en fait, les zones rouges comme ça... Oh, ça veut dire qu'on peut... Oh, merde. Il a explosé, je suis mort. Ok, du coup, les zones rouges, je pense vraiment que c'est pour les contres. Il y a un casse-couille, normalement, juste ici, voilà. On va se débarrasser de lui en premier. Parce qu'il nous attaque à distance, et c'est bien chiant. Toi. Hop là. Oh, ça leur a rien fait. Comment je suis dégoûté. Comment je suis trop dégoûté. Le dernier. Bien. Hop là, de la santé. Quoi que ça peut nous servir, je vais pas... Je vais pas récupérer trop de santé. Oh, il y a un coffre. Oh non. J'avais même pas vu qu'il y avait un coffre. Ok. S'en servir contre lui. Bien. Là. R1, R2. On va pas souffler cette fois. Boum. Oh merde. Ça c'est tellement chiant. Au moins le bouclier ça marche. Hop là. Il me faut l'autre. Il est où l'autre? Ah, il était là. Non. Elle m'a pété dans les mains. On est d'accord, hein. La pierre m'a pété dans les mains. On va faire attention. Allez, ouvre la gueule. Hop là. Parfait. Hop. Hop. Allez, c'est parti.
Allez, c'est l'heure de mourir. Je refais deux fois la même erreur. S'il tombe au sol... Lorsqu'il tombe au sol, en fait... J'aurais pas eu le temps de... Merci. Ça, c'est trop utile. Ça! Ouh! Ça, c'est trop chiant, ce truc. Quand il tombe au sol, en fait, il explose. Ok. Meurs. Un de moins. Est-ce que je l'ai eu là ou pas? J'ai pas l'impression. Hop. On va le défoncer. C'est important. Allez, la petite fée. Génial. On l'avait pas vu ce finish move. Je récupère de la santé au passage. Hop là. Dans tes rêves, mon pote. Allez, reviens te battre. Je me ferai pas avoir deux fois par son explosion. Ça m'a enlevé toute ma vie tout à l'heure. C'est bon, t'as fini? Hop. Parfait. Ah, il est KO. Nickel. Un rude combat. Tu m'étonnes. Première fois que je perdais à cause d'un... Non, deuxième fois en fait. Ouvre nos arrières. Cœur fragmenté d'Alfheim. Objet rare d'enchantement. Réduit de 12% tous les dégâts infligés par les attaques des elfes noirs. Effet cumulable jusqu'à 36%. Ouais, le premier qui nous a tué, c'est le mec qui sortait du truc noir là. Au niveau du lac. Et que je pouvais rien faire, c'était pas plus ou moins un cinématique. Tempête de Nord. Attaque runique rapide, attaque tournoyante corps à corps qui balaye les ennemis à proximité et inflige des dégâts. Ça c'est bien. Faudrait que je rajoute cette rune. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Hop. Tu la gênes d'abord. Pas bête. Le pont principal. Il faut trouver un moyen de monter. Retourner au pont du temple Anneau. On va suivre Atreus. On aurait pu passer par le chemin opposé, mais bon. La lumière ne crée pas que des ponts, on dirait. Ça nous permettra peut-être de remonter. Excellent. La technologie elle fallait vachement avancer, hein, quand même. Comparé à chaque fois à toutes les autres technologies présente dans les mondes mythologiques médiévales aussi. Regarde, la porte bleue, on a réussi. Cool. Entrer dans le temple. On aura quand même mis pas mal de temps hein, pour remettre un pont comme ça. Sur cette lumière solide. J'avoue que c'est stylé. La porte, il n'y a pas de séparation. Quoi ? On a un problème. Trouver un autre accès au temple. Ces portes ne s'ouvrent pas. Eh oh ! Je comprends pas. Pourquoi construire des portes dans ce cas ? Eh oh ! Viens, on va trouver un autre moyen d'entrer. Ouais, c'est bizarre. Encore ces cloches. Il doit y avoir un coffre d'énorme quelque part. Ouais. Sans aucun doute. Wow. D'accord, je vois. On va essayer de les avoir là. Ça n'a pas fonctionné. C'est bon. Hop là, une porte, le coffre magique est ici. Une cloche, deux cloches. Où est la troisième cloche? Elle est là-haut. Entendu. Bon. Ah, ça marche pas.
Putain, la blague quoi, ça marche pas si... si on tape dedans. Cool. Ma barre de santé a quand même bien, bien augmenté. Corne d'hydromel sanglant. Vous avez collecté une des trois cornes d'hydromel sanglant nécessaires à l'augmentation de votre rage maximale. D'accord. L'hydromel sanglant est une boisson rare qui intensifie la rage. Au total, 9 cornes sont cachées dans le monde, dans les coffres scellés magiquement. Ok, même chose que pour les pommes d'Idun. On peut pas passer par là. Alors je pense qu'on est du mauvais endroit en fait. Ça va être à droite qu'il fallait descendre. Ouais, le chemin il doit être par là. Par ici. Comment ils font les nains pour se déplacer comme ça? Tu veux bien regarder ça? À vrai dire, je n'ai pas grand chose d'autre à faire en ce moment. Wow! Vous avez tué un ancien? Oui. C'était... difficile? Oui. C'est... tout ce que tu vas me donner? Oui. Travail accompli. Nouvelle formule déverrouillée. Ok. J'aurais peut-être dû lui parler lors de la session précédente. Il aurait peut-être pu m'aider. J'y ai pas pensé, je pensais pas qu'il y avait grand chose à faire avec. C'est vrai qu'il voyage vite, lui, le Nabo bleu. Encore. Il fait le malin, mais à mon avis... Quand on lui aura fait tomber la hache dessus, à mon avis, il va moins rigoler. C'est quoi ce truc? Ils sont dégueulasses maintenant. Hop. Toi, par terre. Bon, non, dans le mur, c'est pas grave. Où sont les prochains? Là. Hop là. Empalé. Ils sont super résistants, c'est ouf. C'est tellement ouf. Ah, je pense... Ok, je pense que j'ai compris. Faut se débarrasser de l'invocateur, là. On va faire ça. On va foncer sur l'invocateur. Ah, mais si, toi. On s'en fout. On est en rush, spartiate. Reviens là. C'est lui, hein. C'est lui. Hop là. Ils sont balèzes, hein. Yes, joli. On l'a eu. Comme ça, il pourra plus rappeler de sbire. Fini. C'était des vrais brutes. J'avoue que c'est de plus en plus dur, là. Va falloir que je fasse un saut dans le menu pour améliorer un petit peu mes compétences. À quoi ces choses sont attachées? Ah, ok. Hop. Par là. Joli. Yes. Ok. Il y a très peu de santé en plus sur le sol en ce moment. J'ai l'impression que les potions de soins, enfin les fragments plutôt de santé, ils apparaissent que dans des zones où il n'y en a pas besoin. Hop là. Doucement les cauchemars. Nickel. Encore. Non.
Putain, j'ai utilisé pourtant le bouclier, c'est ouf. Ouh, c'est pas bon les trucs qui explosent. Ouais, toute cette lumière. Incroyable. Allez. Voilà. Phew. Santé, y'en a pas? Surtout que j'ai plus mon skill de santé là. J'ai déjà utilisé tout à l'heure. Si, c'est bon. Il est de retour. Ok, il dure vraiment pas longtemps. Et il régénère vraiment trop peu de santé. Mais c'est toujours mieux que rien, vous me direz. Waouh! Ça, c'est incroyable! Lila. De l'obscurité, protéger la lumière. On peut pas dire qu'ils aient rempli leur mission. Ici, y a pas de passage, non. Ouais. Je vais regarder quand même. Ah, attendez. C'est quoi ça? Ah, juste de l'argent, dommage. Là, y a un truc. Oh, j'ai loupé, dommage. On recommence. Qu'est-ce que ça a libéré? J'ai même pas vu. Ok, peut-être pour plus tard. Ça va peut-être ouvrir un passage pour plus tard. C'est excellent à chaque fois quand Atreus il monte sur le dos de Kratos. Non, pas maintenant. Là, la lumière. Ils m'ont recouverte de cette chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils veulent couper la lumière. Un autre elfe blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Non! Il a rien fait. Arrête de supposer. Tu assistes à la fin d'une guerre, Atreus. Tu ignores comment ils en sont arrivés là. Mais il s'est même pas défendu. C'était son choix. Nous faisons les nôtres. Tiens-toi prêt, mon garçon! Ils vont être chiants, eux. Oh, les tirs, ils sont relous. Allez, meurs. Hop là. Ils sont tellement chiants. Ils sont casse-couilles, je vous jure, ils sont casse-couilles. Allez, crève. Bouge-toi, Atreus. Hop là. Et il faut que je défonce l'invocateur. C'est le plus important, lui là. C'est lui qui est chiant en fait. Allez. Hop là. Merci. On peut même pas les étourdir correctement à main nue, c'est ouf. Et maintenant ? La lumière est tout près. Cherche un passage. Hop. Allez. On dégage cette merde une bonne fois pour toutes. Regarde, d'autres ponts de lumière. Suis-moi. Bien, bah je pense qu'on va cesser pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à très très vite pour la suite. Et ciao ciao!